Vous regardez ETV. Scène de liesse ce matin chez les salariés de Carrefour Milenis. Après 81 jours de grève, ils ont trouvé un accord avec la direction. Ils se préparent à retourner travailler dès demain. Je suis prête. Je savais qu'il fallait s'arrêter un jour et je suis prête à reprendre le boulot. C'est un combat qu'il fallait mener. On l'a mené jusqu'au bout. Donc je suis fière. Fière d'avoir mené ce combat. Un combat juste. Et on l'a gagné. Au programme aujourd'hui, photo souvenir pour les uns et démontage du piquet de grève pour les autres. Après 2 mois et demi de mobilisation, c'est une vie en communauté qui prend fin. Apparition de l'accord Bino sur les feuilles de paye, prime de panier, d'éloignement ou encore subrogation de l'employeur en cas de maladie. Un nouvel accord d'entreprise est enfin signé et les responsables syndicaux sortent satisfaits de cette mobilisation. Il y a des salariés qui ont perdu entre jusqu'à 200 euros par mois. Et là, avec la prime de transport, les tickets restaurant, la prime panier, je n'ai pas encore fait le calcul, mais c'est sûr qu'on ne perd pas 200 euros, qu'on a pu garder notre pouvoir d'achat. Demain, on va rentrer là, fier, la tête haute. Et on sait encore plus, comme on dit, nous souder. On a formé une famille, on a dormi, on s'est levé là, on a partagé des joies, on a partagé aussi des moments de faiblesse. Et ça ne pourra que nous renforcer. De son côté, la direction déplore dans un communiqué une grève instrumentalisée par les syndicats. Et elle affirme que l'accord proposé avant la grève était plus avantageux pour les salariés. Une dernière négociation reste encore à mener. Elle concerne l'organisation du temps de pause des salariés.